murder purchase too. I like my tasty smell of blood. When I come home from work at night, I give my favorite yell, hell, red front. Sieg Heil, boy, I'm from South Germany. Hallo liebe Gäste, herzlich willkommen. Hier ist Löstrich Sprechen und heute, das wird des große Spaß sein. Heute, meine Damen und Herren, wir werden kleines Mäuse sein, weil zusammen wir gehen nach... Oh pardon, excusez-moi, je me suis un peu emporté. Bonjour et bienvenue, disais-je grosso modo. L'introduction de cette vidéo va être assez brève. J'imagine que vous êtes sans doute déjà tombé, par hasard ou pas, sur des images montrant Hitler sur une terrasse avec une vue imprenable sur les montagnes. Je disais c'est loin, mais c'est beau. Hein. S'il est là, c'est qu'il est dans son chalet, son sanctuaire, l'endroit où il se sentait le plus chez lui et dans lequel il aimait séjourner avec ses amis les plus proches. La preuve, entre 1933 et 1944, on estime qu'il a passé à peu près un quart de son temps dans cette maison. Maison dans laquelle il était plus ou moins en vacances. Eh bien aujourd'hui, je vais vous emmener dans ces images. Nous allons passer un peu de temps chez le Führer pour voir à quoi ressemblait son quotidien et celui de ses proches lorsqu'ils étaient chez lui, dans cette étrange maison. Vous vous apercevrez rapidement que la routine du plus célèbre des hommes à la moustache en brosse à dents est bien éloignée de ce que vous êtes probablement en train d'imaginer. Grasse matinée, partie de bowling, séance de ciné interminable, promenade en forêt, mais aussi pas mal de moments assez gênants qui, j'en suis sûr, raviront les fans de malaise les plus chevronnés. Moi je dis allons-y. Mais coupons court aux arguties. Mesdames, ajustez vos dirndls, messieurs, enfilez vos plus saillantes lederhosen, car nous allons passer un week-end en Bavière, chez Hitler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais effectuer quelques petits rappels qui me semblent d'autant plus pertinents que nous sommes sur Internet, qu'Internet a le sang chaud, très chaud même, et que le sujet dont nous allons parler est particulièrement bouillant. Hartung donc. Dans cette visite, nous allons tâcher d'être objectifs, mais je veux d'emblée éviter toute ambiguïté un peu embarrassante. Bien sûr, ici, il n'est en aucun cas question de remettre en cause ou minimiser les atrocités commises par le régime nazi, et encore moins de tenter de faire son apologie, sous prétexte que Hitler était courtois avec les dames et qu'il distribuait des gâteaux aux enfants. Loin de moi cette idée. Je n'avais pas un iota de pensée à cela. Au cours de la visite, nous allons nous concentrer sur le Führer et son environnement direct lorsqu'il était dans sa résidence privée. Ça ne veut pas dire que tout le reste n'existe pas ou est à minimiser. C'est juste que, dans le contexte précis de notre visite, c'est hors sujet. Dernier point, au cours de cette visite, je serai amené à citer certains propos d'Adolf Hitler, à titre illustratif. Il va de soi que je ne cautionne pas ces assertions, que je n'y adhère aucunement, et que leur citation n'a pas pour vocation de faire valoir un quelconque propos politique. J'ajoute que toutes les sources utilisées pour la rédaction de cette visite sont en description. Je compte sur votre maturité pour ne pas transformer l'espace commentaire en bataille de Stalingrad ou de Kursk. Alles klar? Los geht's! Ben quoi? Oui, nous sommes dans le train. Il faut bien y aller chez Hitler. C'est un endroit assez reculé aux confins de l'Allemagne. Nous allons arriver à la gare de Berchtesgaden, une ville de Bavière juste à côté de l'Autriche. La résidence de Hitler n'est pas vraiment dans la ville, elle est un peu à l'est. Oh, 3 km de la gare à vol d'oiseau. Ceci dit, nous ne sommes pas des oiseaux et je préfère d'emblée vous prévenir, il y en a pour quelques heures de marche pour aller de la gare jusqu'à chez Hitler. Et il y a du dénivelé. Ah, vous aimez la randonnée tranquille en montagne? Eh bien, ne vous attendez pas du tout à ça. Depuis que le Führer a gagné en notoriété, surtout depuis qu'il est devenu chancelier, la petite ville de Berchtesgaden est devenue une véritable destination touristique et un lieu de pèlerinage pour les fanatiques de la croix gammée. Quotidiennement, plusieurs milliers de touristes et admirateurs se bousculent dans les boutiques de souvenirs, les hôtels et les restaurants. Les sentiers de randonnée du coin sont aussi très fréquentés. Tout le monde les arpente et campe à côté ou dans les champs en espérant croiser Hitler par hasard. En même temps, il est de notoriété publique que le Führer aime bien les balades en forêt et les pique-niques champêtres et qu'on peut parfois le rencontrer au détour d'un sentier autour de chez lui. C'est très rare, surtout depuis qu'il est devenu chancelier et qu'il reste enfermé dans son domaine. Mais ça peut parfois arriver. En parlant d'arrivée, nous voilà à quai. Venez. Ah, je vous l'avais dit, c'est bondé, Berchtesgaden. D'ailleurs, la ville a dû s'équiper d'une multitude d'infrastructures pour répondre à l'affluence. Hôtels, pensions, restaurants, boutiques, théâtres. Plein de choses ont été construites. Mais sortons vite d'ici. C'est pire que la gare de Lyon pendant une grève de veille de vacances. En raison de difficultés
difficultés d'acheminement du personnel, le train est supprimé. Non ! On n'a pas construit que pour les touristes, puisque Hitler est un chef d'État et Berchtesgaden est sa résidence secondaire. On a donc installé en ville toutes les infrastructures liées à la fonction politique de Hitler. Il y a des casernes pour les soldats, divers bâtiments militaires, une petite chancellerie, des lotissements pour tous les ouvriers qui travaillent sur les chantiers du coin et même un bordel. C'est dire si la ville s'est agrandie. En plus de ça, plusieurs dignitaires nazis se sont fait construire des chalets sur la montagne pour être proches de leur chef. Et il y a aussi une ferme chargée de fournir à la table du Führer des légumes de premier choix. Bien entendu, on a construit des routes et des voies ferrées pour rendre la ville plus accessible. Il y a même un petit aéroport non loin. C'est par là qu'arrivent la plupart des dignitaires et hôtes de marque qui sont invités à séjourner chez le Führer. Mais on n'a pas construit que sur la montagne, on a aussi creusé en dessous. Il y a un bunker géant de 22 km² capable d'accueillir un millier de personnes en cas de bombardement. La région est également équipée de diffuseurs de brouillard capables de plonger la vallée dans une épaisse fumée qui complique la tâche d'éventuels bombardiers. Tenez, pour vous dire, la ville a pris tellement d'importance depuis l'ascension de Hitler au pouvoir qu'on la surnomme la petite capitale du Reich. Il a même été un moment question de la transformer en grand forum nazi. Mais l'idée a été abandonnée. Voilà, même si la propagande nazie voudrait bien nous faire croire le contraire, on est assez loin du cliché d'une petite bourgade montagnarde tranquille quand on visite Berchtesgaden. Et pourtant, elle l'était il n'y a pas si longtemps. En fait, l'activité touristique a commencé dans le dernier quart du 19e siècle, lorsqu'une petite pension, une sorte d'hôtel, fut construite dans les montagnes. C'est une histoire assez romantique, car un auteur y séjourna et tomba un peu amoureux de la tenancière. Il écrivit un roman d'amour qui connut un certain succès, dans lequel l'héroïne est très inspirée par cette fameuse aubergiste. Et la pension, après changement de propriétaire, sera renommée d'après le nom de l'héroïne du roman, inspirée donc par la première tenancière. C'est plutôt romantique, n'est-ce pas? Ça ne durera pas, puisqu'un étrange client ne tardera pas à faire son apparition dans l'hôtel. Mais je continuerai cette histoire plus tard. Nous voilà déjà sortis de la gare. Si vous voulez, nous pouvons prendre un bus navette qui va nous déposer non loin du Berghof. Berghof? Berghof, c'est le nom de la résidence d'Hitler. Par contre, je vous préviens, le bus met une quarantaine de minutes à monter, et il est souvent bondé. Je vous propose plutôt de faire la route à pied, comme ça nous aurons tout le loisir de profiter du bon air alpin, et j'aurai le temps de vous parler de ce qui se passe au Berghof pendant que nous montons. Alors, ça vous botte? Perfect. Bien, quelle heure est-il? 11h? Oh, ça va, on nous attend pour le déjeuner, autant vous dire que nous sommes amplement dans les temps. À 11h, le Führer sort à peine de son lit. Oui, c'est un lève-tard, mais quand vous verrez à quelle heure il se couche, vous comprendrez pourquoi. En fait, à 10h, son valet vient toquer à la porte fermée à clé de ses appartements privés, situés au premier étage du chalet, pour le réveiller. Il dépose les journaux et les dépêches du jour devant la porte et repasse une heure plus tard pour dire solennellement à Hitler... Bonjour mon Führer, il est 11h, les nouveaux journaux et les dépêches sont à votre porte. Hitler sort de son lit en pyjama blanc pour chercher sa lecture, mais il retourne bien vite dans ses draps pour lire. Il va ensuite se raser, jette sa robe de chambre sur son lit et va prendre un bain. Mais il ne se baigne pas dans n'importe quelle baignoire. Elle est en marbre et est un cadeau personnel de Mussolini. Hitler descend de ses appartements vers midi moins 20 pour prendre un petit déjeuner assez spartiate dans la bibliothèque. Pour le frühstück, le petit déjeuner, il prend un peu de thé ou de lait, quelques biscuits ou des tranches de pain et surtout... une pomme, un fruit dont il raffole. D'ailleurs, j'espère que vous aimez les pommes parce qu'on risque de manger pas mal pendant notre petit séjour. Pendant le déjeuner, Hitler planifie sa journée, ses réunions et choisit les menus du jour. Bref, s'il n'est que 11h, ça ne sert à rien de se presser. Pour tout vous dire, les matinées au Berghof sont assez... tranquilles. Enfin, pour les invités j'entends, parce que pour les 200 personnes qui travaillent dans les différentes sections de la demeure, c'est une autre paire de manches. Il y a des domestiques, des cuisiniers, des médecins, des secrétaires, des chauffeurs, une armée de bras qui entretiennent la maison, s'occupent de la gestion, préparent les visites officielles, veillent sur la sécurité du bâtiment, etc. Pour leur petit déjeuner, les invités, qui sont en général plus matinaux que Hitler, ont le droit à du café, du thé, du chocolat chaud, des tartines, des céréales. Ils ont à leur disposition un peu de beurre et de la confiture. On peut soit prendre le petit déjeuner dans la salle à manger, soit sur la terrasse, s'il fait beau, soit se le faire apporter dans sa chambre. Oui, vous dites ? Ah oui, oui, c'est un peu comme à l'hôtel. Le matin, l'ambiance est assez décontractée. Il faut dire que Hitler n'est pas là pour la plomber. Vous verrez qu'il est assez doué pour mettre les gens mal à l'aise. Alors ? On n'attend pas plus. Oh, ceci dit, attention, il y a une petite règle qui a son importance. Il ne faut surtout pas prendre de douche avant 10h du matin. Pourquoi? Eh bien, parce que le chalet est un peu mal fichu et des canalisations passent par la chambre d'Hitler. Si on se douche, ça résonne dans le mur et ça peut le réveiller et le mettre de mauvaise humeur pour la journée. Oui, ce n'est pas très pratique. Mais vous verrez qu'il n'y a pas que ça. Par exemple, le Berghof ne comporte que très peu de chambres. À vrai dire, sans compter les chambres du personnel, il n'y en a que quelques-unes. Une pour Hitler, une pour sa maîtresse, Eva Braun, et une poignée d'autres réservées aux invités ou à du personnel particulier, notamment les secrétaires. C'est un peu limité. Pardon ?
Ah, qui a fait les plans du chalet? Eh bien, c'est principalement Hitler lui-même. Et si vous vous posez la question, les invités qui n'ont pas de chambre vont dormir dans un des hôtels juste à côté. D'ailleurs, regardez, nous approchons. Vous pouvez voir le Berghof dans la montagne. Je vais laisser Hitler vous donner son propre avis sur l'allure de sa demeure. J'avais peur que, par ses dimensions, le bâtiment jure avec le paysage et fut heureux de constater qu'il était du plus bel effet. Vous remarquerez que la foule d'admirateurs qui grouille sur le chemin et qui grossit au fur et à mesure que nous nous rapprochons est surtout constituée de femmes. Allez savoir pourquoi, elles sont très nombreuses à venir faire le pied de grue devant le Berghof pour tenter d'apercevoir Hitler. Il faut dire qu'il fait parfois quelques bains de foule que les photographes mitraillent pour donner du grain à moudre à la propagande. La secrétaire de Hitler, dans ses mémoires, nous raconte même une histoire assez surprenante sur les admiratrices du Führer. Des femmes hystériques prenaient les pierres que le Führer avait foulées, et les gens les plus sensibles devenaient fous. Une fois, un camion qui emportait des briques jusqu'au Berghof fut pillé par quelques folles, et les briques, qui n'avaient même pas été touchées par les mains et les pieds du Führer, finissaient comme de précieux souvenirs dans les vitrines des salons. Bref, tout ce petit monde est du pain béni pour la propagande. Ceci dit, nous arrivons. Je nous ai dégoté des laissez-passer qui vont nous permettre de franchir les différents postes de garde. L'endroit a beau ressembler à un petit havre de paix montagnard, il est tout de même protégé par deux clôtures et une foule de SS très motivés qui ne laissent passer que ceux qui ont les documents adéquats. Fendons la foule qui attend pour nous faufiler jusqu'au portail. Allez-y, passez devant. Voyez plutôt, le chalet est juste en haut de la route. Venez, regardez à gauche, c'est le fameux escalier qui mène au Berghof. Vous l'avez peut-être déjà vu sur certains films, puisque c'est là que les berlines déposent les invités et les gens de passage. Montons, je vous promets qu'après ça, on en aura fini avec les côtes. Enfin, presque. Les marches mènent à une petite esplanade. Si l'arrivant au Berghof est un hôte de marque, quelques SS viennent s'y mettre au garde à vous pour l'accueillir. Et sinon, il ne faut pas s'attendre à y croiser du monde. L'entrée du Berghof n'est pas particulièrement monumentale. Nous allons simplement aller sous le petit patio, juste à droite, et franchir une porte qui nous fera rentrer. Voilà le couloir principal de la maison. Il n'est pas très impressionnant, je l'avoue. Certains d'entre vous sont même peut-être un peu déçus. Les avis sur la demeure du Führer sont assez disparates. Certains trouvent le Berghof, assez décevant, et en parlent comme d'une maison à la décoration intérieure plutôt impersonnelle, qui donne davantage l'impression d'être chez un petit bourgeois provincial plutôt que chez Adolf Hitler, le chancelier du Reich. Cependant, certains magazines étrangers de design et d'architecture sont époustouflés par la modernité de l'endroit. Mais pour un témoin direct, la décoration de Hitler est un mélange entre rusticité et élégance citadine. Bref, vous l'avez compris, les avis sur la question divergent. Pardon ? Ah, il est 13h et la route vous a donné faim. Oh, je suis navré de vous l'annoncer, mais nous n'allons pas passer tout de suite à table. Tout le monde attend Hitler pour manger, et vous l'avez compris, il commence à travailler assez tard. Car oui, il travaille lorsqu'il est au Berghof, mais le rythme n'est pas très soutenu. Il fait ses réunions après son petit déjeuner, pas avant midi donc, et il ne termine pas avant au moins 14h, voire parfois 15 ou 16h. Et l'horaire varie quotidiennement selon les ordres du jour des réunions. Nous allons devoir faire comme tout le monde et nous rendre au jardin d'hiver pour attendre sagement que Hitler ait terminé. Suivez-moi, nous allons emprunter le couloir. Il mène au petit salon qui lui-même donne dans une sorte de véranda. Ne vous méprenez pas, hein, si on attend le Führer dans la véranda, c'est purement pratique. En fait, il n'y a pas vraiment d'autres endroits où on peut attendre. Regardez le plan, vous comprendrez mieux. En fait, une bonne partie du rez-de-chaussée du Berghof est occupée par le grand hall. Une pièce immense qui sert tantôt de salon, tantôt de salle de réception, tantôt de salle de travail, puisque c'est là que Hitler fait ses réunions. Maintenant, observez la position du salon. Il donne directement sur le grand hall. Les deux pièces ne sont séparées que par un rideau qui, certes, bouge la vue, mais laisse passer tous les sons. Or, il ne faudrait pas qu'on dérange le Führer pendant sa séance de travail avec du bruit, ni qu'on l'espionne. On est donc prié de se rendre dans le jardin d'hiver qui est, la seule autre pièce disponible de la maison. Enfin, nous avons de la chance parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Nous allons donc pouvoir attendre sur la terrasse. C'est plus commode. Certains convives attendent dans leur chambre et ont leur téléphone dès que l'heure exacte du déjeuner se profile. Elle est prête la bouffe ! Inutile de vous dire que tout le monde a très faim quand Hitler pointe enfin le bout de sa moustache. Bon, je ne vais pas vous présenter la bonne quinzaine d'invités en moyenne qui participent quotidiennement au déjeuner du Führer. Retenez que les convives sont rarement tous les mêmes d'un jour à l'autre. Il y a souvent des invités de passage, quelques militaires, des artistes, des médecins, etc. Ou bien des gens avec qui le chancelier est en réunion et qui sont retenus pour le déjeuner. Pierre Laval a oublié d'être un innocent. Toutefois, il y a quand même quelques convives réguliers. Premièrement, les secrétaires de Hitler, qui sont logés au Berghof. Mais aussi le docteur Morel, l'énigmatique médecin du Führer, qui l'accompagne partout. En plus d'être un docteur aux méthodes discutables, Morel a la réputation d'être sale, grossier, et, si on en croit la secrétaire d'Hitler, de dormir en fermant non pas la paupière supérieure, mais la paupière inférieure.
On trouve aussi parmi les réguliers Albert Speer, un dignitaire qu'Hitler aime beaucoup puisqu'il est architecte. Goebbels, le ministre de la propagande, est assez souvent là aussi. Un autre régulier, moins connu du grand public, est le secrétaire particulier de Hitler, Martin Bormann. Je ne vais pas vous assommer avec sa biographie, mais retenez que tout le monde le déteste, à part Hitler. Je vais d'ailleurs laisser le valet du Führer vous résumer la vie générale sur Martin Bormann. Grossier, trapu et lourdeau, il avait la stature d'un petit taureau, robuste et d'une vitalité incroyable. Tout ce qu'il faisait était accompagné d'une violence sans complexe. Il broyait tout ce qui entravait son chemin. Ajoutez à ça le fait que Martin Bormann tyrannise tous ses collaborateurs, qu'il bat sa femme et le portrait est presque complet. Parmi les convives réguliers, on trouve également Heinrich Hoffmann, le photographe officiel d'Hitler, qui est sympathiquement surnommé le poivreau du Reich. Ça vous donne une idée du personnage. Oui. Sortez au colonel. D'ailleurs, je vais laisser Hitler nous raconter son anecdote favorite à propos de son cher photographe qu'il connaît depuis un bon bout de temps. C'était dans les années 20. Hoffmann avait acheté une nouvelle voiture, une Ford, et il insistait pour que je monte avec lui. Je lui ai dit « Non, je ne viens pas avec toi pour quelques tours que ce soit. » Mais il a continué de me harceler. Alors finalement, j'ai accepté et nous sommes partis dans les rues. C'était le soir, il pleuvait, et Hoffmann rasait les angles, les coins des immeubles et ignorait les intersections. « Hoffmann, lui ai-je dit, faites attention, vous conduisez comme un fou, c'est terriblement dangereux. »« Non, non, mon Führer, ça vous fait juste cet effet parce que vous n'avez rien bu. Si vous aviez pris un bon verre de vin rouge comme moi, vous n'auriez rien remarqué. » Oh, en entendant ça, je suis sorti et je ne suis plus jamais monté en voiture avec lui. Malgré son caractère singulier, l'anecdote est plutôt amusante. Cependant, Hitler peut se montrer parfois bien plus sec avec son ivrogne de photographe. Hoffmann, votre nez ressemble à une citrouille pourrie. Si on grattait une allumette sous vos narines, votre souffle prendrait feu et vous exploseriez. Bientôt, il y aura du vin dans vos veines à la place du sang. Je te presse ton zèle et je te fais boire un litre de ta propre morve! Voilà pour ce qui est de Hoffmann et de sa réputation. Et enfin, bien sûr, parmi les réguliers, il y a la pétillante Eva Braun, la maîtresse du chancelier. Officiellement, Hitler est marié à l'Allemagne, mais officieusement, c'est un peu un secret de polichinelle au Berghof, il lui fait quelques petites infidélités avec Eva. Je sais que pour des visiteurs venus du 21e siècle tels que nous, le nom d'Eva Braun est assez connu, mais à l'époque, il ne l'est pas vraiment, hormis parmi les proches du Führer, surtout ceux qui gravitent au Berghof. Enfin, officiellement, Hitler reste un célibataire. D'après lui, c'est surtout pour ne pas perdre les faveurs d'une partie de ses supportrices, et nous avons vu en arrivant qu'elles étaient assez nombreuses et motivées. Eva Braun a ses propres appartements au Berghof, il communique directement avec ceux de Hitler. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'images, mais on dit que la décoration est assez sobre, à l'exception d'un petit détail que je vous laisse le soin de constater. En parlant de Mademoiselle Braun, c'est un peu officieux, mais c'est elle qui régente la vie au Berghof. D'ailleurs, lorsque le nouveau garde du corps de Hitler arrive sur place, un habitué de la maison lui dit d'emblée à propos d'Eva Braun. C'est elle la chef. Elle s'occupe de tout, du personnel, du quotidien. La gouvernante, sache-le, c'est elle. Mais nous reviendrons sur l'énigmatique Eva en temps voulu. Il y a bien des choses à raconter sur elle, notamment lorsqu'Hitler s'absente et qu'elle reste seule avec ses amis au Berghof. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, comme qui dirait. Oh d'ailleurs, en parlant du chat, ou plutôt du loup, le voilà enfin. Vous verrez, il va toujours saluer les dames en premier, et il ne fait le baise-main qu'à celles qui sont mariées, et à Eva, Schnaxi comme il l'appelle parfois en de très rares occasions. Une fois la tournée des bonjours faite, le protocole est toujours le même. Le valet de Hitler pointe le bout de son nez pour annoncer pompeusement « Mon Führer, le déjeuner est prêt ». Comme à l'école, on se met en rang pour se rendre au déjeuner. Dans la mesure du possible, chaque paire de convives est mixte. Le chancelier invite une dame de son choix et prend la tête du cortège. Mais je précise, il ne se met jamais avec Eva, pour ne pas éveiller les soupçons. La grande table de la salle à manger comporte une quinzaine de places. Au cas où le nombre d'invités dépasse un peu la contenance de la table, il y en a une autre supplémentaire. Elle est à part et on y installe les convives les moins importants. Je vais laisser la secrétaire de Hitler, qui a assisté à bien des repas au Berghof, nous décrire la table du déjeuner. Il y avait de beaux arrangements de fleurs au milieu de la longue table. Le Führer n'avait jamais de fleurs, de branches ou de feuillages dans les pièces de son quartier général. Mais au Berghof, il y avait une femme en charge de la tenue de la maison, et on pouvait sentir sa touche féminine. La table était dressée avec de la porcelaine Rosenthal, décorée de modèles de fleurs peintes à la main sur un fond blanc. Un ensemble de burettes contenant huile, vinaigre, sel, poivre et cure-dent était installé à chaque bout de la table. Je vous en prie, prenez place. Mais pas n'importe où. Hitler s'assied toujours au centre de la table, face à la fenêtre. La place devant lui est pour l'hôte de marque du jour. Et les places à côté sont réservées à une femme, choisie parmi les invités du jour, à Martin Bormann ou à Eva Braun. Pour savoir où vous êtes, regardez dans les assiettes. Il y a des petits sacs en papier qui contiennent les serviettes. Sur chaque sac est inscrit le nom du convive qui doit prendre place. Des serveurs,
toujours en veste blanche et pantalon noir, vont venir changer nos assiettes pour les remplacer par de la vaisselle chaude, qui ne laissera pas tiédir nos mets. Délicate attention. Ceci dit, ne vous méprenez pas. Même si cet uniforme de garçon de restaurant inoffensif leur va bien, tous les hommes qui assurent le service sont des SS, qui ont suivi une formation hôtelière. Notez que, contrairement à ses invités, Hitler mange ses plats tièdes, puisqu'une opération des cordes vocales a rendu sa gorge sensible. Le déjeuner est souvent composé en trois temps. On sert d'abord un potage, un plat, puis un dessert. Bon, comme nous sommes à table avec Hitler, je pense que le moment est parfait pour aborder le sujet du régime particulier du Führer. Il ne boit quasiment que de l'eau, de la marque Fachingen, le plus souvent. Mais il n'est pas totalement abstinent. Il s'autorise parfois un peu de bière ou un verre de mousseux dans les grandes occasions. Mais c'est rare. Le plus souvent, il trinque avec du thé ou de l'eau. Et lorsqu'il trinque au vin mousseux, il ne se gêne pas pour faire des grimaces, histoire de rappeler à tout le monde à quel point il déteste ça. Au-delà du goût de l'alcool, Hitler a une véritable aversion pour l'état d'ivresse. Et il ne tolère pas les écarts provoqués par la boisson. Nous faisons le succès. Sauf quand c'est son photographe, le fameux poivre du Reich, qui y fait des siennes. Là, il se montre mécontent, mais un peu moins intransigeant. Concernant la question du végétarisme, Hitler est théoriquement végétarien. Mais pas tout à fait. Depuis le début des années 30, il ne mange certes plus de viande, sauf quelques très rarissimes entorses avec de la charcuterie bavaroise. Cependant, si on inclut les ingrédients animaux présents dans tous les médicaments que lui prescrit le docteur Morel et qu'il absorbe quotidiennement, on peut dire qu'Hitler n'est pas vraiment végétarien stricto sensu. Dans tous les cas, il ne mange quasiment jamais de viande. On lui sert d'ailleurs des plats spéciaux, souvent des salades ou des plats à base de légumes. Il aime beaucoup les petits pois, les lentilles et l'huile de lin non raffinée. Si le Führer n'impose pas son régime particulier à ses convives, de peur que plus personne ne vienne manger avec lui, il ne se fait pas prier pour rappeler très régulièrement, si ce n'est à chaque repas, qu'il est végétarien, et tenter de dégoûter ses hôtes des plats carnés qu'on est en train de leur servir. Une de ses réflexions favorites est de désigner le bouillon de viande comme de la décoction de cadavre. Vous comprenez qu'avec ce genre de réflexion, l'ambiance à table peut être rapidement un peu plombée. Mais ce n'est pas tout. Souvent, Hitler se contente d'écouter ce qui se dit à table et participe assez peu aux conversations. Mais il lui arrive parfois d'interrompre subitement tout le monde pour se lancer dans d'interminables diatribes. Ah, bah tenez, qu'est-ce que je disais ? À tous les coups, il va se mettre à parler du fait qu'il est végétarien. Oh, c'est un grand classique. Les soldats romains avaient la viande en horreur, et sa consommation apparaissait surtout lorsque les difficultés du ravitaillement l'imposaient. Aussi, les images nous montrent que ces soldats avaient une denture magnifique, ce qui contredit l'idée que la viande serait nécessaire pour avoir une bonne denture. Les siècles n'ont pas modifié cet état des choses, car quand aujourd'hui on va en Italie, on trouve chez les Italiens les mêmes habitudes alimentaires et les mêmes belles dentures. Le chien, mangeur de viande, est loin d'égaler les performances du cheval herbivore, et le loup, qui mange surtout de la viande, n'accomplit sans signe de fatigue que 2 à 3 km, tandis que le chameau, c'est-à-dire un herbivore, ne commence à tirer la langue qu'au bout de 6 à 7 jours. Il est prouvé que les maladies comme le beriberi, une carence en vitamine B1, peuvent disparaître en 8 jours au maximum grâce à une alimentation végétarienne, à savoir la consommation de pommes de terre crues. Mais celui qui consomme majoritairement des végétaux ne doit pas oublier que c'est à l'état cru que les végétaux dans l'alimentation présentent la plus haute valeur nutritive, de même que le moucheron consomme la feuille vivante, la grenouille le moucheron et la cigogne la grenouille. Je ne commenterai pas la pertinence de ces arguments et ne souhaite aucunement lancer un débat sur le végétarisme maintenant. Déjà qu'on fait une vidéo sur Hitler, si en plus on digresse sur le terrain de l'alimentation non carnée ou pas, ce sera la poudrière des Balkans ici. Non, j'ai juste choisi ce passage, que j'ai un peu abrégé, pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point les monologues de Hitler pouvaient être barbants, lunaires et interminables. J'en ai d'autres en réserve, mais je les garde pour le moment opportun, n'abusons pas des bonnes choses. Le déjeuner dure rarement plus d'une heure, et si jamais le Führer est lancé dans un de ses fameux monologues, on peut compter sur Eva pour lui faire comprendre qu'il faut peut-être abréger, parce qu'il est l'heure. L'heure de quoi ? Vous le saurez bientôt. Mais avant, je vous rappelle que cette chaîne est intégralement démonétisée, sauf réclamation d'ayant droit, et ne fait pas de placement de produits. Elle est indépendante et ne vit que de la générosité de ses spectateurs. Donc si malgré son caractère un peu spécial, vous appréciez la visite, allez déposer ne serait-ce qu'un euro dans la cagnotte Tipeee. C'est très important car c'est l'unique revenu de la chaîne et c'est le seul moyen qu'elle a pour subsister. Le lien est en description. Bref, que disais-je ? Quand Hitler s'éternise, Eva lui fait comprendre, soit par des petits regards, soit en lui demandant l'heure qu'il est, que c'est le moment de partir. Partir où ? Partir faire quoi ? Eh bien ça, chers visiteurs, vous le saurez dans une prochaine vidéo. Oui, vous avez le droit de m'en vouloir, mais je vous rassure, la suite arrivera bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la rater d'ailleurs. Et si vous êtes nouveau ici, vous avez de la chance, puisque vous pouvez jeter un œil au reste de la chaîne en attendant la suite de notre petit séjour chez Hitler. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu, c'est très important. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur Instagram et découvrir mon travail au format podcast sur les plateformes habituelles du genre. Avant de vous dire au revoir, je remercie bien sincèrement les tipeurs, sans qui
qui travailler sur des sujets aussi particuliers que celui que nous venons de voir serait tout bonnement impossible. Merci de votre soutien, c'est vous qui maintenez à flot la création indépendante sur cette plateforme. J'ajoute que des invitations sur le serveur Discord se trouvent en description de cette vidéo, n'hésitez pas à le rejoindre. Et si vous n'êtes pas au courant, je termine en vous rappelant que mon roman, Ventre grasse et sur les dents, est gratuitement disponible au format audio sur la chaîne et que vous pouvez aussi le commander chez votre libraire ou directement sur le site de mon éditeur que je vous mets en description. Allez, auf Wiedersehen! C'est ça, je m'en vais rester pour faire la conversation à madame. Et puis quoi encore?